Allez, c'est parti pour l'épilogue, les amis. On va promener un peu dans ma chambre. Ah, c'est un peu cucu la praline, hein, même pour une fille. Hein. Je suis désolé, mais. Super. Faut vraiment que je nettoie. Oh, ça. Le chien. À fond. Je me dis le même chaque jour, mais j'ai la flemme. Voilà, on est bien d'accord. Maman. Okay. Papa. Y'a quelqu'un? Je vais fouiller un peu partout. Oh, c'est vraiment beau. Oh ouais. Ouais, c'est bien mon enfant. Désolée, Sully. Waouh, ça m'a l'air tellement jeune. Bah putain, elle a une belle vie en fait. Nickemouk. C'est n'importe quoi. On peut plus choisir ses parents. C'est l'enfoiré de base ici. Parce que moi, je vois bien des parents qui partent en voyage comme ça aussi. Hein. Baignoire, grande douche. Ils ne se refusent rien, les chasseurs de trésors ici. Ok, on doit aller par là, donc je vais aller par là. Laisse-moi fouiller! Je crois qu'ils nous ont abandonnés. Sale chien. Sale chien. Non, y'a rien. Ah, j'ai compris, tu vas aller par là, mais laisse-moi fouiller amnèse. Hop, petite marche arrière. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je mets le doigt devant, je fais le tout petit rond, je fais le tour de moi-même, je fais le boogie boogie, et je vais en avant. On s'enjaille comme on peut, hein, les amis. Ah, oh, trop cool! Sam et Sully vont venir nous voir. Victor. Regardez-moi ces deux-là. Ouais, Victor, ils sont partenaires de business maintenant. Ou ils sont peut-être homo. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ça fera l'affaire. Elle a croqué dedans et elle l'a acheté. Ben franchement, t'es une pourrie gâtée, ma fille. T'as cru quoi? C'était la fête? Mais juste un seul. T'as que sale gosse quand même, pourrie gâtée. Voilà un deuxième. D'accord. Mais je te préviens, c'est le dernier. Ok? Tu vas recraquer parce qu'on peut continuer, je pense. Non? Putain, j'en reviens pas pour la pomme, elle croque, elle la jette. Petite conne. Ah là, je suis dégoûté. Bon, on devait aller par là. On pourrait trop faire une soirée ici. Il le saurait jamais. À fond. C'est cosy. Oh. Waouh, trop cool. Faut que je demande à maman si je peux lui taxer. Pardon? Tu surveilles ton langage, jeune fille. C'est quoi cette histoire? Ah, je pensais que c'était là, mais c'est sûrement l'appareil photo. Bon, le chien, pourquoi il voulait que j'aille là? Ah, le tourne-disque. Alors, voyons voir. Maman a des goûts trop bizarres en musique. Mais j'aime bien celle-là. C'est vrai que c'est chelou. Et maintenant, je dois aller où? Ok. Bon, bah... On peut peut-être sortir de la maison maintenant. Ouais, je pense qu'on peut sortir de la baraque. T'en veux encore un? Non, on peut plus. On ne peut plus. Bon, on va voir si on peut sortir de la maison. À l'aise. On peut faire ça dès le début. C'est ça, va. Oh putain, t'as vu où elle habite? Tranquille quoi.
Ah, j'aime pas le jeu là. Je suis assez nul. Pourtant, c'est que des calculs, mais c'est vraiment pas le truc qui me plaît. Magnifique journée. Il nous reste plus qu'à retrouver le reste de l'équipage. Bah putain, tu te mets bien ma fille. T'as vu où t'habites? Ils doivent être par là. Bon, on va aller voir. Quoique non, j'ai envie de voir la baraque d'abord. Je peux rentrer chez les gens comme ça? Non, ils ne sont pas là non plus. Ok, ils alors deux je vais les attendre. Ils sont bateaux, arrête. T'as fini par trouver. Tu fais du shit? Waouh. C'est super bien nettoyé. Et ouais. C'est une clé Maya. Aztec plutôt, je pense. Pas tout à fait le même. Ah ouais, j'étais partie avec Sully cette fois-ci. Ok, ils ont découvert plein de trucs. C'était en fait vraiment mes fouilles préférées. Regarde-toi, t'es toute pétillante. T'as, ils ont découvert un masse de trucs en fait. C'est tout? Ah ah ah! Je me souviens de celle-là. C'est bon, je pense que je les ai toutes faites. Ok, donc j'ai fait avec mes parents, donc Nate et Elena. Voilà qui réduit déjà pas mal, la zone de recherche. On continue à être des fouilleurs, mais cette fois-ci, on se met plein les fouilles et on est reconnu parce que les 4 grands trésors, bien mal quoi. C'est vraiment débile. Il a laissé ses clés. Attends, il a laissé ses clés. Hein? Non, il a pas osé. C'est impossible. Tout simplement. Impossible. Ah! J'en étais sûr. La croix de Saint-Lys. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ça donne oh là là. Mais c'est cool. Eh, hey, change pas d'endroit, je l'avais mis en haut. Petite sotte. 16e siècle. D'où ça sort? Ah, il fallait le livre. Salut. T'es bien curieuse, jeune fille. Wow. Incroyable. Bien les amis. Le casque du Gunsway. Attends, vous êtes parti à la recherche du trésor d'Avry? C'est pas vrai. C'est papa? Sic Parvis Magna. La grandeur des petits débuts. Oh, madame, elle parle latin et tout, ok. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce délire? Oh merde! Merde! Ah, bah te voilà! Coucou! Tu te cachais où? J'ai pas trop mal vieilli, ça va? Qu'est-ce que tu faisais là? Bah, je vous cherchais. On a fini de charger le bateau. Tu viens? Cool, partez devant, je vous rejoins tout de suite. Pourquoi? Ah, grillé. Ah, les enfants. Idiot.
Qu'est-ce qui t'arrive? Ok. Vous fâchez pas. Je vais te foutre trois cacs! Allez, quoi, tu vas pas te fâcher? Les clés. Alors? Je ne saute! Qu'est-ce que t'as trouvé? Rien d'intéressant. À part cette vieille photo de vous deux et Sully. Avec un trésor sûrement espagnol. Et un fusil à pompe. Ouais. Il fallait bien que ça arrive un jour. On devrait lui en parler. Non, elle est pas encore prête. Prête pour quoi, toutes ces conneries dans votre placard? Mais pas de gros mots. Oui, pas de gros mots. Désolée. Ouais. Mais vous cachez littéralement des squelettes dans votre placard, ou du moins... On aurait dit une sorte de crâne en argent. Bon, en fait, je crois que c'est moi qui suis pas prêt. Vraiment. Nate, il faut qu'on lui explique. Oui, c'est le moment idéal. Mais qu'est-ce que vous devez m'expliquer exactement? Elle est trop jeune. Elle est plus vieille que Sam et toi quand vous avez commencé. Mais non, ça n'a rien à voir, tu le sais très bien. Bon, écoutez, si vous trempez dans des magouilles douteuses, ça m'est complètement égal. Mais j'ai l'âge d'être au courant quand même, vous trouvez pas? T'es gonflé, toi. T'as plus peur des squelettes? Ah, très drôle. Maman? Très bien. Alors, comment t'expliquer? Pour moi, tout a commencé quand ce type m'a appelé pour m'informer en exclusivité d'une découverte historique majeure. Au début, j'ai pensé que c'était un arnaqueur. Oui, mais beau gosse, l'arnaqueur. Peut-être, mais je l'avais encore jamais vu. Oui, il savait. Il savait. Donc cet arnaqueur, il m'a dit, financez cette expédition, et je vous donne le cercueil de Sir Francis Drake. Et pour information, j'ai bien tenu ma parole. Tu parles. Tu nous as abandonnés aux mains des pirates indonésiens. Oh, t'exagères. J'avais rien à voir okay, avec ça. Ok, attendez. Temps mort. Vous êtes en train de me dire que vous avez été attaqué par des pirates... Après avoir découvert le cercueil de Sir Francis Drake, c'est ça? Oui, c'est à peu oui, près c'est ça. Bien ça. Ouais. Putain de merde! Non, pas de gros mots. Mots. Je vous trois claques, hein. C'est mieux. Bon, allez-y, continuez. Vous savez quoi? Le soleil brille, le bateau est prêt et il y a une légère brise. Vous voulez continuer à en parler? Alors on va le faire sur l'eau. Vous venez? Mais attends, de quoi il avait l'air, Francis Drake? Décomposé? Il n'était pas dans le cercueil. En fait, il y avait que son journal et une carte de l'Eldorado. La fameuse cité d'or. C'est la légende, mais en fait, c'était qu'une statue. Une statue maudite. C'est pas vrai, tu rigoles? Non, je t'assure. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Tu vois, cette carte, elle nous a promis. Oh putain les amis, qu'est-ce que c'était beau ce jeu! Magnifique! Oh! Et voilà, c'est la fin d'une histoire. Un amour de jeu. Alors, pour la fin, j'espère que vous aurez apprécié quand même toute l'aventure, même si je suis mort pas mal de fois. N'hésitez pas à mettre un pouce si pas, tu mets un pouce dans ton cul, à vous abonner à ma chaîne, mettre des commentaires, liker. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres jeux et d'autres aventures. À la prochaine, ciao ciao !